Yo les amis, c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play, du moins j'espère, cela dépendra de vous. Je verrai bien après l'épisode, une fois qu'il sera posté, je verrai directement à vos retours si vous kiffez ou pas. Bien évidemment je compte sur vous pour exploser un maximum la barre des pouces bleus si vraiment vous avez envie que je fasse ce jeu là. On l'a pas encore découvert, mais voilà, au moins ça permettra déjà d'avoir un avis par rapport à ça. Donc on se retrouve sur Captain Spirit. C'est un jeu de la même lignée que Life is Strange, et ce jeu a été créé justement pour faire patienter, je pense, les joueurs qui attendent Life is Strange 2. Du coup, ben voilà, c'est un jeu que j'attendais vraiment beaucoup. Les jeux à choix, ça me manque énormément. Le dernier que j'ai fait, c'était Heavy Rain, et ça remonte quand même à un petit moment. Et du coup, ben, je me suis dit pourquoi pas faire ce Captain Spirit et le découvrir avec vous. Donc j'espère que vous êtes prêts à découvrir, à plonger dans une nouvelle aventure avec moi. Moi, en tout cas, je le suis. C'est parti. Ok, bienvenue dans les aventures extraordinaires de Captain Spirit. Square Enix voudrait personnaliser votre expérience de jeu et récolter des données sur votre façon de jouer afin de continuer à créer de meilleures expériences de jeu. Vous pouvez changer d'avis à tout moment, revoir votre décision et modifier ce paramètre dans le menu Square Enix. Consentez-vous à connecter des données sur vos habitudes, votre style de jeu? Je vais mettre oui, écoutez, et on se retrouve du coup sur l'écran d'accueil du jeu. Let's go, nouvelle partie directement. Le jeu est en français donc je ne dois rien changer. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare with the wind in your hair. What is this planet? I don't know. We've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. No, it's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Gotta have a cool cape to fly. Good thing I have one. Masque ou no mask? Secret identity or not? Ok, avec ou sans masque? Je dirais qu'un masque. Plutôt qu'un casque. Yep, looks cool so far. Let's see.
What about the armor? C'est en début, quoi. Armure légère ou armure lourde? Armure légère, je préfère tout ce qui est léger. On va prendre ça. So cool. Should he be dark or colorful? Sombre ou coloré? Bah, moi j'ai envie de représenter entre guillemets quelqu'un de gentil, donc je vais dire coloré. Même si sombre, c'est aussi stylé. Mais je vais partir sur le coloré. C'est chouette qu'on puisse choisir pour le costume. Le jeu est très beau aussi. Beware, Mantroid. Watch out. Captain Spirit is ready for battle. Très belle musique aussi. The Awesome Adventures of Captain Spirit, du coup, sur la feuille. Hello, Saturday morning. I can do anything I want today. Ok, donc là je peux bouger. Je fais une petite pause pour vous donner mes premières impressions. Alors je suis très agréablement surpris par la qualité visuelle du jeu ainsi que la bande sonore. Franchement pour l'instant je suis vraiment pas déçu et j'ai hâte de découvrir un petit peu l'histoire de ce gamin là. J'avais du mal au début à savoir, à comprendre si le vaisseau en fait bougeait grâce à son imagination et que genre en fait c'était pas réel ou si c'était vraiment lui qui arrivait à le faire bouger et apparemment il aurait un pouvoir qui lui permettrait de déplacer les objets etc. Après encore une fois, est-ce que c'est son imagination ou est-ce que c'est réel? Ça je ne sais pas, j'imagine qu'on le saura bien plus tard, mais du coup on reprend, c'est parti. Alors, est-ce que je peux déjà faire des choses dans ma chambre? Regarder la télé par exemple. Only my brainwaves can activate the monitor. Ah d'accord, seul son cerveau peut activer ça. Ok, très bien, et du coup tu n'as pas envie de le faire? Attends, hop, regardez, là je peux, tu vois. En fait, quand j'appuie sur LT, hop, je peux activer mon pouvoir. Donc hop, allumé. Donc oui, c'est un vrai pouvoir pour le coup. Yeah, la classe. Non, j'aimerais trop savoir faire ça. Il y a trop de chance. Le gamin me fait penser un petit peu à... C'est le gamin de Maman, j'ai raté l'avion. Je sais pas vous, mais il me fait penser un petit peu. Quelques traits de visage en tout cas qui lui ressemblent. Alors regardez, c'est quoi ça? That was a fun Pizza Arcade. Party at Pizza Arcade. I hope it'll be cool next year. Ok, très bien. Ok. Hop, ah, je préfère vérifier un petit peu, voilà, c'est le genre de jeu, il faut vraiment regarder un petit peu partout. Dessin, bon ça on l'a déjà vu, c'est notre dessin. Équipe de Mantroïdes. Les équipes de super-héros ont besoin d'une équipe de super méchants. Ok, donc c'est les super méchants. Tatouage. Tiens, tiens, tiens. It is time for my secret tattoo. Only my team will know what it means. D'accord. Hop, bah vas-y, mets-le. Il fait tout grâce à son pouvoir, c'est génial. Yeah. Franchement, c'est grave cool. I can take the pain. At least I don't have to use any needles. Ok, pour résister à la douleur. Il y a d'autres choses intéressantes, je pense pas. Peut-être la carte secrète, hein. Peut-être la checker vite fait. On va voir un peu. The secret treasure. Ok, le trésor secret est enfoui quelque part dans la nature. Il faut que je trouve le deuxième. Ok, donc il y aura des trésors à récupérer. Ok. Et du coup, Henry, c'est notre peluche. Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Henry? Je pense que c'est la peluche de quand il était tout petit. You're too cute to fight evil. D'accord, très bien. Eh ben écoutez, j'entends qu'il se passe des trucs dans la cuisine, mais voilà, justement, c'est notre papa. Ok, je vais dire ok. Ok, dad. J'arrive, papa. Je prenais un petit peu de temps pour moi, pour visiter un peu ma chambre, même si c'est ma chambre et que j'ai pas le temps de la visiter. Well, this is a first. I didn't have to tell you twice. The food smelled good. But you know how to work the ref. I think the eggs turned out all right. The salt is a secret. You let me know. Pour yourself some milk, okay? Milk mission accomplished. Breakfast of champions.
Vu la tête des œufs, je sais pas si le petit déj va être bon, vraiment. What'd you expect, a waffle? C'est bon, ceux de maman, pourquoi? Attends, ça va peut-être nous permettre d'apprendre un petit peu plus de choses sur sa maman qui n'est pas là du coup. I just like sunny side up, like mom used to make. Parce que leur... Yeah. Parce que sa mère serait morte, je sais pas. Me too. Sûrement. Bah oui, c'est sûr. That's not gonna happen. I know. You can't keep saying mom used to do this or that. I know more than anybody, Chris. I know. Okay? Yeah. Okay. Plan pour aujourd'hui, t'es en train de boire. Ça doit vraiment être difficile. T'es en train de boire. Vous savez quoi, je vais pas trop l'embêter au papa. J'ai pas envie non plus de le mettre mal. Je vais lui demander les plans d'aujourd'hui. Si je vois que plus tard, voilà, il arrête pas de boire, etc., je m'intéresserai plus à ça. Mais là, je vais pas l'embêter davantage. Hop. So, Dad, what's the big plan for today? Big game plan. Even though we'll probably lose again. Gotta get rid of that coach. Today, I bet we win. Now, that's the fucking spirit. Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Hey, is your arm okay? Ça, j'avoue, c'est quoi? Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Ça va, ça fait un peu mal. Bah, j'imagine que d'avoir un peu mal. Well, it kind of hurts a little. Really? Pourquoi il a ça? I can give you an ice pack and maybe one of my pills. No pain and no swelling. It makes me sad that that you got hurt. Mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé avec le père. Okay, okay. Won't bother anymore. Un accident, sûrement, je sais pas. So you must be excited for Christmas. Toujours, toi aussi. Bah toujours, bien évidemment. I'm always excited for Christmas. Hint, hint. I was hoping Santa might maybe get me a new console since mine is broken. Then Santa needs to get me a new job. It has to be a console. A basketball costs 10 bucks. Okay. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Ils sont mignons. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Pas bien tout ça. Aïe aïe aïe, même s'il veut le cacher, mais lui il est au courant. C'est quoi cette magie de foot chelou là? Okay. What would Captain Spirit do? C'est vrai que là, du coup, dès le début en fait du jeu, on comprend que c'est pas évident
qui doivent pas avoir une vie facile. Apparemment, la maman n'est plus là, donc j'imagine que la maman est morte. Et ça doit vraiment être difficile autant pour le papa que pour le petit. On voit que le père a l'air d'être paumé, complètement perdu. Enfin, je sais pas encore énormément de choses sur lui, mais tu vois l'ambiance que le papa essaye de bien faire, que le petit est triste et qu'il pense encore énormément à sa mère. Et du coup, le père, lui, comme je vous ai dit, est complètement perdu et on voit qu'il est en train de boire et tout. Donc j'ai un petit peu peur en fait que le père, des fois, part en steak parce que le petit a quand même des marques sur le bras. Voilà, j'espère que c'est pas le père qui des fois pète complètement les plombs. Je sais pas, on verra en tout cas. Mais ça a l'air d'être super intéressant et pour l'instant, j'ai qu'une seule hâte, c'est de découvrir encore davantage le jeu. Donc c'est parti, j'arrête de vous saouler. Alors, appuyez sur mes choses à faire. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais faire le costume du Captain Spirit maintenant. Je trouverai peut-être ce qu'il me faut dans les environs. Ok, le trésor du Captain Spirit est enterré quelque part dans le coin. Pour le trouver, je dois assembler les deux morceaux de la carte. Quoi d'autre? Je peux m'entraîner à viser sur des canettes de bière démoniaque. Ça peut être sympa ça. Mon équipe de super-héros est forte, mais je ferais mieux de garder un œil sur Mantroid et ses super méchants. Je pourrais jouer à Mustard Party 2, mais il faut que je déverrouille le portable de papa. Cette fois, je peux pas me laisser battre par les bouillantos. Et je parie que Mantroid se cache encore sur la planète avec mon costume. Je pourrais utiliser mon vaisseau et le retrouver. Vous savez quoi, on va faire un petit truc simple pour commencer. Bon, un petit peu comment ça se passe, les fameuses tâches. Enfin, pas des tâches, mais plutôt ses passe-temps. Voilà ce qu'il a envie de faire, que Captain Spirit a envie de faire. Donc c'est parti, on va aller tirer sur les canettes de bière démoniaque. Je peux pas accéder à ça maintenant, mais en tout cas, je vais pouvoir le faire. On va en profiter pour découvrir un petit peu la maison, etc. Donc carte postale, j'imagine que c'est pas très intéressant. On regarde quand même, hein. J'avais vu un seul castor dans le coin. Ok. Ah, la liste des courses. Voyons voir cette fameuse liste. Papa va faire les courses. Coffee, milk, donc lait, du café, des chips barbecue, du papier, du sucre, bière. Voilà, ça ne m'étonne pas. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la glace. Voilà. Let's see. Ni vu ni connu. Hop là, ice cream, et c'est bon. Papa ne dira rien, vous inquiétez pas. Allez, frigo, ça rien que j'aille dedans. Bac de recyclage. Je peux ramasser toutes les canettes de bière et recycler. J'ai pas trop envie de faire ça pour l'instant. Numéro de téléphone. Chris, these are the most important numbers for you on this list. Ok, pizzeria. Numéro de papa. Et l'autre, je sais pas ce que c'est. Bon, pas des numéros incroyables. Je vais sortir dehors parce que je pense que les canettes, en fait, ça se passe dehors. Donc on va aller faire un petit tour dehors et en même temps on va en profiter pour voir et découvrir le jardin. Waouh, c'est vraiment super beau et tout, en plus on est en période d'hiver. Et voir toute la neige et tout, c'est vraiment très très joli. J'imagine que dehors ça va être un petit peu notre terrain de jeu, là on va pouvoir faire des choses. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Là, c'est la voiture de notre papa, pour courir. Ah, je peux courir, donc ça, c'est cool en vrai. Bon, certes, il court pas très vite, mais c'est déjà mieux que de marcher. Où êtes-vous, les canettes démoniaques? Je viens de vous tirer dessus et vous déglinguer. Je sais pas, il y a la cabane. Si jamais je ne trouve pas les canettes, je vais faire un tour dans la cabane parce qu'il y aura forcément quelque chose de sympa à faire. Il y a le bonhomme de neige. Je sais que normalement, on pourra faire quelque chose avec le bonhomme de neige. Donc, vous savez quoi? Ça m'intéresse et on va voir si on peut pas interagir avec. Regardez. I can't find Snowmancer looking like this. No fair. Ok, ça veut dire que je dois le reconstruire. Hop. Oh, Snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mantroid like that? What can we do? Allez, hop. On va leur taper vite fait, bien fait. Ok, hey, est-ce que je pourrais pas le combattre là maintenant? Now the Snowmancer is ready for battle. Ah, peut-être. Attention, faire exploser. C'est parti. À nous deux, mon pote.
Ouais, dans ma tête, ça rendait mieux. Hein. Bon, bah, maintenant le bonhomme de neige est born. Voilà, regardez. Now the snowmancer is ready for battle. Ouais, bah, ce sera peut-être pour une autre fois, du coup. Le bonhomme de neige, voilà, on lui a fait perdre un œil. Ok, pourquoi est-ce que c'est cassé? Ça, on peut pas réparer la balançoire? Si, à mon avis, oui. Dad won't fix the swing because it's too dangerous to fix. D'accord, je vais pas la réparer moi-même. Bon, vous savez quoi, j'allais faire un petit tour dans ma cabane pour voir. Allez, hop, on va monter. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à voir là-dedans. Ok, alors, qui s'offre à nous? On va d'abord regarder la planque secrète. I can't let Dad find my secret stash. Ever. Ok, alors on va l'ouvrir. Secrète pour le papa, mais pas pour nous. Open sesame. Pareil, combien qu'il va y avoir des dessins de sa maman et tout? Ah, c'est évident, hein. Regarde. J'adorais regarder maman dessiner ses BD. Ah, c'est sa mère qui dessinait. Elle avait du talent quand même, hein. Lire. Qu'est-ce que tu me prépares, mon amour de Valentin? Ton plat préféré? Une pizza. Joyeux Saint-Valentin, ma chérie. Franchement, c'est pas très galant, ça, quand même, hein, de faire une pizza pour un Saint-Valentin. Regardez, décodeur secret. Maybe I can use this to read the map. Ça pour lire la carte. Bah, je vais la prendre. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Ok. Du coup, on voit que ça s'est ajouté. Alors, regardez les lettres de l'école. Est-ce qu'on a un bon élève ou pas? Harry did say mean a dit des méchants choses à papa, mais je peux pas le laisser lire ça. Hop, on va lire. Alors, cher monsieur Eriksen, je vous écris afin de vous informer que votre fils Chris a eu une petite bagarre avec mon fils Harry Sorber et ses amis après l'école cette semaine. Chris a déclaré qu'ils avaient dit des choses inappropriées à votre sujet, mais cela ne ressemble pas du tout à Harry et il ne vous connaît qu'à travers moi. Comme vous le savez peut-être, Harry était un excellent élève et un boy scout décoré. Peut-être devriez-vous parler avec Chris de son comportement? Si ses intimidations venaient à continuer, je serais obligé de contacter l'école. Sincère salutation, monsieur Brett Sorber. On la connaît cette douille-là de mon fils n'a rien fait alors qu'au final c'est son fils la crapule. Hop, les cartes de baseball. These are my favorite. Ce sont mes joueurs de baseball préférés, même si je ne comprends pas tout. Even if I don't understand the stats. Je comprends pas les statistiques en gros. Noir Raymond, ok. Ok, ok, ok. Hop, la boîte secrète était plutôt sympa. Pirate du ciel, au rapport. Sky Pirate, long time no see. Is everything okay up here? Aye, aye, Captain. The sky is clear for now. It's good to know you're on the lookout. Keep it up. Enchanté, hein? Enchanté. Puis, regardez. Hop. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. Reine des neiges. Hop, c'est quoi ça? That's Noctarius' son. He looks like his dad. Lui, c'est certainement un super vilain. Regardez, un vieux bol. Pourquoi est-ce qu'il y a un vieux bol avec un briquet? My old cereal bowl after Dad used it for an ashtray. Ah, voilà pourquoi. Gross. Ça répond à ma question, j'ai envie de dire. Et là, il y a le poste d'observation où on peut s'asseoir. En fait, sa cabane, c'est son QG, vous l'avez compris. J'ai vraiment l'impression de retomber en enfance et tout, c'est vraiment cool. Et là, bah, on a la magnifique vue devant nous, les arbres avec la neige et tout, c'est très 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 beau. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend. And we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove.
Ok, et bah je peux quitter les vues spéciales, c'était très très joli. Ok, et bah je pense que je vais descendre. On a bien visité la cabane. Il manquerait plus qu'une latte. Non, c'est bon, ça va. Ok bah les amis, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour le premier épisode. Le temps est passé super vite, honnêtement j'ai pas vu le temps passer. Et ça c'est déjà un très très bon point, ça veut dire que le jeu, et bah j'accroche déjà genre de fou. J'imagine que dans le prochain épisode, bah rentrer à la maison, je vais peut-être aller réveiller mon père parce qu'on devait faire un truc avec lui. Mais en tout cas voilà, pas déçu, genre vraiment pas déçu de ce premier épisode. L'histoire a l'air d'être super cool et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. J'espère vraiment que vous, et bah il vous a plu ce premier épisode, c'est très très chill, très très détente. Vous savez bien que je m'adapte souvent au jeu, j'espère que voilà, que je casse pas l'immersion et que vous appréciez me voir jouer et me voir découvrir le jeu en votre compagnie. Je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus si l'épisode vous a plu, à me mettre bien évidemment dans les commentaires si vous voulez que je continue ou pas ce Let's Play sur Captain Spirit. Si oui, bah vous inquiétez pas, on se retrouvera très 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 vite. J'ai déjà hâte moi personnellement de découvrir la suite, que ce soit avec vous ou de mon côté. Bref, c'était votre Itos, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye tout le monde.